Je suis Jean-Philippe Reverdy, je suis président de l'Athletic Club de Littoral 44, club créé en 2013, qui est la coordination ou la réunification de plusieurs clubs du Littoral 44. On a commencé avec un effectif de 1200 athlètes, on est à presque 1620 athlètes actuellement, donc en 5 ans on gagne un certain nombre d'athlètes de manière assez importante. Nous sommes un des premiers clubs pour les jeunes sur la région des Pays de Loire. Donc aujourd'hui, nous sommes au second tour des interclubs. Les interclubs représentent pour l'athlétisme un moment festif mais incontournable. C'est là où chacun peut s'exprimer dans sa discipline, sur la piste. Et donc c'est un moment aussi où les jeunes côtoient les moins jeunes. Et puis on essaye de faire un résultat. Donc le but aujourd'hui, c'est quand même d'approcher les 50 000 points et peut-être accéder à la division supérieure, c'est-à-dire la nationale 1C, ce qui va pas être une mince affaire, mais en tout cas, on y croit encore. Donc aujourd'hui, on a à peu près entre 20 et 25 personnes qui représentent l'ESCO Saint-Nazaire, qui est notre pourvoyeur d'athlètes de haut niveau. Donc ils sont là, présents, toujours déterminés, parce que l'ESCO Saint-Nazaire apporte justement cette touche où le haut niveau doit être présent. Voilà. Alors je viens de courir le 100 mètres haies, je gagne ma course, je suis assez contente au niveau des sensations, je suis bien partie, j'avais des bonnes sensations dans l'intervalle. Je ne sais pas quel chrono j'ai fait parce qu'ils n'ont pas encore affiché, j'espère avoir mieux fait qu'au premier tour. Virginie Bonnet, master, j'ai fait le 400 mètres haies tout à l'heure. Pour l'instant, la journée s'est bien passée. Tout le monde est à fond dans ses épreuves. Il reste encore de bons résultats à venir. Hein. Pour l'instant, on est troisième au classement intermédiaire, mais sans les haies et le javelot, où les garçons sont en train de faire de belles performances. Pour l'instant, très bien. Quelques petits soucis physiques sur certaines épreuves, mais globalement, c'est mieux que le premier tour. On joue normalement pour la première place. Je fais du disque, je fais un peu toutes les épreuves à Saint-Nazaire, à l'ESCO. C'était génial, enfin pour moi c'était absolument génial, je bats mon record au disque et je fais une bonne performance à la longueur, donc ça je suis vraiment content. Après l'ambiance c'est absolument génial, c'est l'ambiance interclub, c'est absolument génial, tout le monde s'encourage, tout le monde se soutient, voilà, c'est génial.
Alors je m'appelle Ndaïmarie Bieto, j'ai 20 ans et donc je suis en espoir 2 en ce moment. Donc je fais de l'athlétisme depuis que je suis en 3e, mais j'ai fait une pause après la terminale pendant les 2 premières années de mes études. Et donc là c'est mon année de reprise et je suis spécialisée sur 400 mètres haies. Et donc là c'était mon 2e 4H de la saison et j'ai fait 67-36. Bon, je suis quand même contente d'être là, au final on court plus pour l'équipe que pour nous-mêmes, donc c'est le principe des interclés. J'ai 16 ans et aujourd'hui j'ai fait du poids et du 100 mètres, et je suis à la deuxième position du 4x100 et pour l'instant la journée se déroule plutôt bien avec 11 mètres au poids. Bon les haies, j'étais bien partie sauf que bon, l'avant-dernière haie n'est pas trop bien passée. Mais bon pour l'instant ça se déroule bien et puis j'attends le 4x100, comment ça va se dérouler. Bah franchement, je trouve que c'est une belle journée parce qu'on bat un peu tous nos records, tout ça, donc ouais franchement c'est cool. Puis l'ambiance dans le club, c'est plutôt sympa.